l'après-midi, mais ici je devrais vous dire bonsoir car il fait déjà nuit à Jeddah. Les projecteurs sont allumés et la pression monte peu avant le début du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. Comme vous pouvez le constater, les pilotes devront venir à bout d'un certain nombre de virages assez difficiles. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'exploiter au mieux les données accumulées lors des séances d'essais libres. Et comme c'est le cas sur beaucoup de circuits urbains, les erreurs risquent de se payer très cher. Espérons tout de même que la voiture de sécurité n'aura pas à intervenir ce week-end. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Thomas part en pole position et Lewis Hamilton complète la première ligne. Regardons maintenant le reste de la grille. Russell, Albon, Fernando Alonso, Norris, Sainz, Leclerc, Oscar Piastri, Verstappen, Gasly, Perez, Ocon, Magnussen, Joe, Sargent, Bottas, Novalak, Tsunoda, De Vries, Stroll et Théo Pourchaire. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Ça ne serait pas un vrai Grand Prix si je n'avais pas le grand Jacques Villeneuve à mes côtés pour suivre l'action en piste. Bonjour Jacques. Bon, parlons un peu de Thomas. J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent ? Je crois que tout est prêt pour un Grand Prix éblouissant. Les pilotes se dirigent vers la piste et vont devoir trouver leur rythme tôt dans la course pour espérer prendre le dessus plus tard. Savoir quand il faut se donner à fond et quand relâcher la pression est extrêmement important si on ne veut pas brûler ses gommes trop vite. Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas Zach aujourd'hui. Eh bien, on est à Jeddah, pour cette course de Jeddah. Et on va commencer maintenant, c'est parti. Tour de France. Et c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les tribunes alors que le départ de ce Grand Prix est imminent. Quelle écurie réussira à sortir vainqueur aujourd'hui? Quelle stratégie s'avérera gagnante? Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Les monoplaces rejoignent leur emplacement sur la grille et chacune des écuries espère désormais que sa stratégie s'avérera payante pour la course. La question est maintenant de savoir qui a pris le pari gagnant et qui repartira déçu aujourd'hui. Attention, nous sommes partis pour cette course. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plus. Oh non, j'ai encore mis route. Bon, comme vous l'avez vu, tu es en première position, tu mènes la course. Désolé, on n'a pas d'infos à ce sujet pour l'instant. Russell derrière. Encore 4 tours avant l'ouverture de la fenêtre d'arrêt au stand. 18 tours restants. Et Russell qui passe avec un instant. Je ne t'ai pas entendu, répète le message. Ok, suite à ce qui vient de se passer, on va peut-être changer de stratégie de course. Merci. J'ai plusieurs choix à te proposer, alors surveille bien ton AMF. Ok, compris. Sinon, on va pas mettre l'air. Je vais dire.
Faites attention. La voiture de sécurité vient d'entrer. Surveille l'indicateur Delta. Il doit rester positif si on veut éviter une pénalité. Ralentis. Le Delta doit rester positif. Oh, j'ai mis comme ça, zut. Ah mais du coup on va être derrière tout le monde, derrière Courchère. C'est pas mal ça. Pouvoir tous les voitures, tous les ailerons à faire, ça serait pas mal. On a eu du mal à retirer l'aileron avant. Je sais que ce n'est pas idéal, mais on doit passer à autre chose et essayer de rattraper le temps perdu. Je comprends bien ce qu'il voulait. On va encore faire un arrêt. Il nous reste encore un arrêt aujourd'hui selon notre stratégie. On va pas se prendre cette offre là. Alors, regardez, on va faire un mode à remonter. Ça fait dur à remonter. Ça fait du choc pour les arbres. Attention, c'est un chaos. Deuxième pop, c'est vrai, il y a un truc comme ça, c'est vrai. Ça va être dur, ça va être dur, mais je pense que ça va être dur. Je vais me dire aussi pourquoi. Ah, est-ce que c'est avant de la peinture de sécurité qu'on va rouler? Parce que beaucoup de pilotes font qu'on oublie. Comme là, qui s'est associé avec Formule, tout ce qu'on fait. La voiture de sécurité rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. Vous voulez pas me faire voir. Formule, double sur Lotus. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise la touche dépassement. Mais derrière Pousseur, c'est pas mal ça. Double Pousseur, ça y est, Pousseur. Oh, les gars. C'est une Lotus, celle-là. C'est chignon. Pas combien de tireurs. Une clé, mais pas mal. Joli, à voir on croirait presque que c'est facile. Retour à la normale. Les gars. Bottas qui a un écurie pleine de bavés. Banjo qui a la deuxième version de BMW.
Vas-y, comment sa voiture est pas mal. On a bien vu cette voiture. Oula, 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 oula. Il reste un petit peu sur un tour. Oh, ça va se battre, bête merde. Oh, ça va se battre. Il nous reste 5 tours de carburant. C'est égal, mais il nous reste un peu. Dernier tour, on lâche rien. Désolé, tu te coupes, mais c'est pété en fait. Je peux pas faire autrement. Attention, encore un virage avant. Peut-être gagner cette course. Et oui, c'est fait. Deuxième victoire pour la TRM. Deuxième victoire pour nous de la TRM. On l'a fait, on l'a fait. Wow, je suis passé très loin, vite. Dites-moi, Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait. C'est du rapide. Merci à tous. Au revoir.